28 août 2020, jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui, qui c'est 28 avril 2023, qui fait Badonier Montferrier d'Orval 44 mois depuis qu'il a assassiné. Eh bien, depuis qu'il a assassiné Badonier Montferrier d'Orval, eh bien, dossier ça a passé toute forme de péripétie par devant la justice haïtienne. Et après toute démarche, après tout mouvement dans l'organisation Nonce d'Orval, Barreau de Port-au-Prince et quelques membres de la Fédération des Barreaux, menés pour permettre à ce que justice statue sous dossier ça, eh bien, au final, suite à une requête nous avons adressé avec le juge d'instruction, M. Chavan Etienne, lui désigné un juge d'instruction qui s'est maître Martel Jean-Claude pour instruire le dossier Badonier Montferrier d'Orval. Après deux juges d'instruction déjà passés, il n'y a pas de gens capables de poser aucun acte d'instruction. Eh bien, le dossier ça a gagné pratiquement un mois depuis gagné. Il y a un nouveau juge qui est désigné pour mener l'instruction. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas posé aucun acte d'instruction dans le dossier. Eh bien, nous-mêmes, au niveau des structures, nous, c'est normal. Eh bien, nous sommes un petit peu perplexes par rapport avec un tel comportement. Récemment, nous avons organisé une conférence de presse pour nous demander moyens nécessaires et suffisants pour être capable d'octroyer avec juge Martel Jean-Claude, parce que nous connaissons dossier ça, son dossier qui gagne en pile gros bras politiques, en pile gros bras au même au niveau international qui t'a impliqué là-dedans. Et c'est ça que fait depuis au départ, nous t'es qualifié comme étant un crime d'État. Eh bien, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'instruction posée dans le dossier. Eh bien, je dis à nous devons rappeler pour l'opinion publique nationale et internationale que le dossier ça est en suspens devant la justice haïtienne et que il y a un nouveau juge qui est désigné dans le cadre du dossier. Et jusqu'à présent, le nouveau juge ça n'est pas jamais capable d'agir. Nous avons rappelé pour l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a un ensemble de monde au niveau de l'État haïtien qui a des soupçons graves qui planaient sur tête, notamment Martine Moïse, la première dame de l'époque, côté que, d'après déclaration ancien président de fait, il était dit Badonier a assassiné à 10h13. Eh bien, à 10h15, Madame Martine Moïse était déjà pour tes vidéos à balai. Et c'est là ça, nous-mêmes, avocats, nous t'apprenons au courant de la date exacte et précise de l'assassinat de notre bâtonnier Montferrier d'Orval. Et dans le que nous essayons de monde qui était live, qui était en vivo au moment de perpétration de un tel crime, eh bien, nous demandons pour que Martine Moïse nous baille beaucoup plus de détails par rapport avec vidéo ça et comment les dérivés gagnent vidéo ça pendant l'assassinat ça a réalisé sous bâtonnier l'autre avocat pour le prince là. Nous songeons, ils ont arrêté des auteurs matériels dans le cadre de César, qui c'est Mackinder Fizeme et Dunez Vilpi. Qui ça m'a qu'un des visés médiés, c'est chauffeur Martine Moïse. Qui ça dit Dines Vilpi, c'est bras droit Martine Moïse. Qui boit au tap travail, il y a un travail dans le palais national, l'autre là tap travail dans le ministère de l'Intérieur. Qui ça y a été joué comme preuve tangible? Y a été joué sim bâtonnier, sim téléphone bâtonnier, dans la poche, y a un des assassins. Là, vous regardez les relations de cause à effet, vous avez gagné des appels qui étaient passés entre Martine Moïse avant l'assassinat, pendant l'assassinat et après l'assassinat avec des assassins matériels. Eh bien, qui ça, la justice haïtienne, attend pour que lumière faite par rapport avec le dossier ça? Est-ce qu'il y a besoin de plus? Indice toujours
dans quatre dossiers ça. Moi je pense qu'il y a suffisamment d'indices et de preuves pour la lumière soit faite dans le cadre de ce dossier. Nous également là pour que nous portions une précision par rapport avec dossier Maître Robinson Pierre-Louis qui gagnait 9 mois depuis l'incarcéré de manière illégale et arbitraire et que aujourd'hui fait objet d'une détention illégale de la part du juge Walter Ruizet-Voltaire qui se juge qui a traité le dossier. Premier bagaille, Nabdi, nous là également pour que nous dénoncions les responsables de la DCPJ et agents de DCPJ qui violaient un principe fondamental en droit, qui c'est principe qui dit que l'instruction est secrète. Eh bien, je dis, avec des DCPJ, en confiant avec les juges, bien entendu, d'instruction, eh bien, l'instruction n'est plus secrète. En ce qui a trait au dossier de Maître Robinson Pierre-Louis, l'instruction n'est plus secrète. Jodi, c'est dans la presse que nous entendons, eh bien, DCPJ dit, Maître Robinson Pierre-Louis, tu recevras une quantité d'argent, tu recevras l'état de port de paix, tu te poses telle question, tu as l'en banque. Mes amis, m'a dit nous un bagage. Là, nous avons une institution, qui est une institution policière, qui a menti. Qui ça le fait? Il décrédibilise tout policier, tout policière. Il décrédibilise toute institution dans le pays. Maître Robinson Pierre-Louis, à l'un des CPJ, parce que Bertrand Dorsey était mandé pour le ramener dans le CPJ, parce qu'il était constitué dans le dossier, pour permettre de contribuer avec quelques éclaircissements dans le dossier. Eh bien, l'arrivée des CPJ, eh bien, question, nous tendez dans la presse, yo dit, yo demandé Maître Robinson Pierre-Louis s'il pas recevoir des virements et sorti dans le port de paix, s'il pas dans le port de paix. Yo pas jamais posé la question ça yo à aucun moment de la durée. Seulement, il a posé des questions qui ont un rapport avec la corruption. C'est lui-même comme avocat qui dit, monsieur, bon, pas comprendre nous. Si nous sommes avocat, si nous avons un minimum en droit, automatiquement, vous parlez nous de corruption ou après gagner transaction l'argent qui fait et li fait de manière irrégulière. Li dit bon, si nous reprochons nous d'adim la corruption, faut que nous montrer qui transaction irrégulière qui fait dans cadre procédure moi-même moi d'ap mener. Eh bien, là yo ouais, yo pas gagner preuve, c'est lui même qui va faire preuve avec un reçu. Mais Michel Blanc, qui est constitué conjointement avec lui, eh bien, lui communiquait un reçu de 400, de 500 dollars américains, avocat qui était constitué conjointement avec lui, Bali. La population est en colère. La population est en colère face aux diverses frustrations que les victimes. C'est ça qui fait que nous-mêmes, l'unité d'élite des avocats, nous lançons carré barré opération Bat Ténèbre. Opération Bat Ténèbre sur tout le territoire de la République. Lundi à midi, opération Bat Ténèbre. Lundi à 8h du soir, opération Bat Ténèbre. Mardi à midi, opération Bat Ténèbre. Mercredi à midi, 3 mai à 8h du soir tout, opération Bat Ténèbre sur tout territoire République là. Contre insécurité, contre vol, contre kidnapping, contre toute attaque armée population haïtienne a subi la caillou. Opération Bat Ténèbre, moun nan Kafoufey, moun nan Solino, moun nan Ravine. Moun nan la Tibonite, moun tout côté, côté que yon prend, population matissant en otage, opération Bat Ténèbre pour combattre toute forme de sécurité dans le pays. N'a profité de faut EDH, retire le peuple dans le blackout, peuple a dit qu'il n'est pas capable encore, peuple n'est pas capable de fonctionner dans le blackout, faut que yon baille courant 24 sur 24.
pour le peuple capable ouais avec déjà ouais parce que les assurés depuis que blackout il y a pas assassiné des peuples là il y a tout les peuples là m'a dit aider les peuples là il pas capable encore n'a demandé monsieur Bokyo lorsque le peuple a déposé l'argent dans banque là en dollars les affaires retrait yo faut nous remettre yo comme yo en dollars parce que si on pas fait ça la révoltant la excitant la exaltant c'est ça que nous demandons mini justice là madame Milce Emily prophète frappe pied la terre pour capable combattre association de malfaiteurs ça que banque a fait population abi non c'est ça unité de leaders avocats engagés pour la restauration d'un état de droit en Haïti dans le but d'éviter une éventuelle guerre civile. Le gouvernement a les périlleuses obligations de prendre des dispositions, de passer les instructions formelles aux forces de la police et aux forces armées de la République pour assurer sans équivoque ni excuse la sécurité de la population et du pays en général. Ceci a fait d'empêcher tout dommage collatéraux face aux actions de la population en colère. Trois sans couler, opération Bat-Ténèbre, lundi, mardi, mercredi. Mini justice, il faut combattre l'insécurité bancaire. Les paysans, les vaudouisans, les journalistes, les mounions, la population, mettez comme yo la banque, il faut qu'ils remettent comme yo en dollars américains. Ça c'est vol, ça c'est corruption. Comme ces gouvernements pas président, qui sont offerts pour mounions calmer des comme en dollars américains. Mini justice là, qui sont offerts, CSPJ, n'a pas demandé via avec juridiction, qui sont offerts pour nous combattre et sécurité ça. Et n'a pas demandé tout, autorité étatique là, bail peuple la lumière. Trois sans couler, déposez les armes là. Bien, opération Bat-Ténèbre lancée sur tout territoire république là. Lundi midi, opération Bat-Ténèbre. Mardi midi, opération Bat-Ténèbre. Mercredi midi, opération Bat-Ténèbre. Sur tout territoire république là. Matin et soir, midi, 8h10 soir, opération Bat-Ténèbre. Trois sans couler, trois vols, trois corruptions. Faut que l'autre l'État, tout neuf le pays. Ça qui fait pays là, c'est parce que la justice qui est l'équilibre de la nation. La justice qui s'efforce pour permettre que l'harmonie sociale là, c'est parce que y a trois juges magouillés, c'est parce que y a trois juges tout qui n'est pas civilisé. Pour une machine, y a un juge qui justice. Pour une terre, y a un juge qui justice. Parce que le juge a 100 000 tournées exécutives là, il fait population abus. CSPJ dit qu'il doit faire travail. Mais nous-mêmes, nous mettons faut faire travailler de manière sine ira et illégale. C'est-à-dire, sans parti pris. Ce n'est pas parce qu'on a un conflit avec un nègre pour faire le pas certifié. Non, nous ne sommes pas comme ça. Mais comme ça, tout, nous ne pouvons pas craser le travail CSPJ. Au contraire, il faut saluer le travail. Parce qu'il y a un pile juge qui bagouille, il y a un pile juge tout qui corrompu. Et nous avons dit CSPJ, si il y a corrupteur, si il y a corruption, il faut qu'il y ait corrupteur. Et tout, il faut que juge ça en connaissance, tout le monde vrai, de ça sorti contre toi. C'est-à-dire que si vous avez volé les cabrites, si vous avez recevoir la machine, si vous avez recevoir l'argent, si vous avez recevoir pour des fins, il faut que CSPJ prouve le pas à carré. Dans ce sens, la loi n'a pas dit que pour juger, il ne pas faire recours. Il n'a pas dit tout, juge pas doit faire recours, il ne doit pas faire recours. Eh bien, tout ça, la loi n'a pas dit, eh bien, il est capable de faire. Et dans ce sens, c'est le tribunal. C'est seulement le tribunal qui est capable de sortir la dernière décision de justice qui dit que les gens sont corrompus, ils sont corrupteurs, ils sont complices. Dans ce sens, nous avons demandé une réforme sur la justice en Haïti parce que la Constitution 29 mars 1987 là, il prévoit trois pouvoirs de l'État, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc si tu as une réforme sur la justice qui te fait tout de vrai, eh bien, lorsque le pouvoir judiciaire là, lui fait travail, il t'a respecté. Non sans ça, n'a demandé ministre de justice, n'a demandé Ariel Henry, n'a demandé toute l'autre autorité. Si t'as ensemble pour nous résoudre le problème là. Mais tout nous pas mando. Si on juge ses amis, yon nèg, si on juge son amis, yon nèg le pouvoir judiciaire, li l'envolé,
li nan corrupteur, ou pa doit protéger le faut voyer l'aller. Je dis à c'est un plaisir pour Ramsa dans Pétionville pour yo sensibiliser machan yo, madame Sarah yo qui plus négligé en Haïti pour Ramsa fait tout machan yo connaît. 1er mai c'est fête agriculture. Les nouais madame Sarah nous touais c'est agriculture. Côté Ramsa qui s'est rassemblement madame Sarah d'Haïti ensemble avec Mandoudou, deux organisations ça on connaît ensemble pour nous valoriser production nationale là. Côté 1er mai dans Delma 33 palais municipal côté nous gagne une foire qui gagne pour thème agriculture madame Sarah c'est nomme un pays. Côté nous invité tout haïtien qui remet production nationale là. Tout haïtien a toute sécurité pour venir supporter nous dans Delma 33 palais municipal. N'a pas tout le monde. N'a commencé à 8h pour 6h du soir. Nous inviter tout le monde en général, nous inviter tout journaliste pays d'Haïti qui se voit monde qui pas gain voix spécialement madame Sarah. Ok, c'est la troisième édition. Pétionville, marchand de Pétionville, a débarqué. Quoi de beau sal, l'aime parler de quoi de beau sal a débarqué. Ça veut dire, nous avons cabrit, poule, cochon, nous avons joué du pays, pois noir, pois Congo, tout ça qui fait la caille nous et nous avons joué artisan qui vient exposer. C'est pas trop cher. Bracelet, c'est 250 gouttes pour nous rentrer, pour nous venir supporter madame Sarayo, pour nous venir supporter maman Doudou. Ok, nous mettre fait vêtements, côté mettre fait vêtements pour aller bailler maï, la moutre 10 façons comment ou ka manger maï. Ok, si on monde ou remet production nationale là, c'est descendre dans Delma 33 lundi, n'a commencé à 8h, n'a fini à 6h. 250 gouttes. Jusqu'à présent, nous pas ko gen moun, c'est seulement gen sensibilisation n'a fait. C'est fausse ref qui supporter nous. Mais nous gen l'autre côté nous écrit comme li pas trop tard pour bien faire n'a tann yo. Tout moun nous te écrit yo n'a tann yo. Et moi dit docteur Moïse un grand merci non non madame Sarah d'Haïti et Onisida un grand merci non non madame Sarah d'Haïti c'est eux qui supporter en attendant pour fort là mais nous gain l'autre côté nous écrit qui peut qu'on dit rien n'a pas moi dit tout haïtien qui remet agriculture investir là-dedans spécialement diaspora yo. Nous connaissons, nous gon pays essentiellement agricole. Si nous investir dans l'agriculture, tout haïtien a besoin de manger pour manger, il va pas chercher manger kay voisin. Et me dit tout le monde, tout machin honnête, venez en foule dans le palais municipal d'Elma 33.